Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien, que cette semaine et que ce mois de mai s'achève pour vous. Ça y est, vous avez réussi, je l'espère, à passer au travers des gouttes, au travers des difficultés. Et vraiment, ce mois, il a été un petit peu compliqué au message que j'ai vu. Je sais qu'il y avait beaucoup de débutants parmi nous et en tout cas, on tire les premières conclusions. Les personnes les plus aguerries finalement avancent progressivement, prennent aussi quand même des leçons. À chaque mois, il y a des leçons dans le budget. Et ben moi, ça va être aussi mon cas. Je ne coupe pas la règle. Comme vous le savez, je comptais faire un bilan chaque semaine juste sur un mois et faire d'autres types de vidéos, mais finalement c'est des choses que vous m'avez demandé et je continue. Donc c'est une vidéo bilan aujourd'hui, bilan de fin de semaine et bilan de mois. On va voir ensemble tout de suite ce qui s'est passé. À venir deux autres vidéos, vidéo de remplissage et vidéo de batch budgeting. En tout cas, la première est là. Alors, comment ça s'est passé? On va voir ça tout de suite du côté de mes enveloppes. L'alimentation. Ben, l'alimentation, je vous rappelle que cette fin de semaine, il nous restait 299,96 €. J'étais plutôt optimiste. Eh bien oui, c'est bon, on a réussi, on a passé le cap. Parce que je vais vous l'expliquer tout de suite. C'était une semaine finalement que j'ai passée à la maison. Mon fils était malade. Je vous l'avais annoncé parce que ça commençait début de week-end dans ma dernière vidéo. Effectivement, une belle varicelle. Bien costaud, hein, comme il faut. Donc ben, quand on reste à la maison, les dépenses ne sont pas les mêmes. Voilà, on va voir ça tout de suite. Alors, l'alimentation. Quand on fait un bilan comme ça, moi, je prends toujours une petite caisse à côté. Vous le savez, il y a beaucoup de bruit au-dessus. Ça remue. Je prends une petite caisse aussi. Alors, cette semaine, déjà, un point c'est pas une actualité, mais bon, cette semaine, voilà, à la maison, puisque mon fils était malade, en même temps, l'organisation de l'anniversaire de mon grand qui était jeudi, donc on a reçu jeudi une partie de la famille, l'anniversaire avec les copains. Finalement, il y a des choses comme ça qui se sont succédées, puisqu'après on a deux familles, on fait ça pratiquement en trois fois. C'est un petit peu intense le fait de recevoir. L'alimentation, mais tout ça, ça avait été budgété. Alors, qu'est-ce que ça a donné ce mois ? Quand on tire un bilan, on va tout de suite vérifier. On conserve bien évidemment ses trackers. On doit voir précisément où on se trouve. Alors, vous le savez, les enveloppes se font en espèces. Hein, c'est vraiment le nerf de la guerre. Moi, je le fais en virtuel puisque je me suis rendu compte en observant personnellement mes besoins. Moi, je fais plutôt des drives. Je déteste faire les courses. Mais voilà, j'ai une carte à part dédiée juste pour ça. Donc, vous avez une part de virtuel qui va se présenter ici et je retire parfois un petit peu si je dois faire des courses physiques. Donc vous avez dans cette enveloppe 24,77 € en virtuel qu'on ne peut pas s'imaginer, mais en tout cas qui sont bien virtuels. Et ici 7,56 €. 7,56 € en espèces puisque j'avais fait des courses. Et voilà, le bilan du mois, c'est 32,33 €. Ok. Donc ça, on fait une clôture, on referme son tracker. Et la somme qui est là, en plus il y a un petit billet de 5, vous savez que je fais le défi de 5, donc on fera ça ensemble. Voilà. On vient mettre la somme qui est ici. On n'oublie pas, on se dit, bon, ben, c'est bon, maintenant ça ne sert plus, ça on peut le virer. Non, pas du tout, puisque moi je comptabilise ça, je veux savoir mois après mois où j'en étais. Donc on met de côté le tracker qui a été utilisé. On le met là, c'est pas très joli en soi. Donc l'alimentation a été bien gérée puisque c'était quand même un mois avec des anniversaires dans tous les sens pour ma famille personnellement. Donc mon fils, mon mari, ça a été. On avait prévu un peu plus que d'habitude, 280. Je pense qu'avec l'inflation, c'est pas plus mal d'avoir mis plus. Je rappelle qu'on est deux, donc on met 250 chacun. Mais là, moi, j'avais monté à 280. Ça fonctionnait puisqu'on recevait à plusieurs reprises. Beauté. Beauté. Bah écoutez, rien de plus que la dernière fois. Donc c'est un mois où on a de l'argent. Alors la question qu'on me pose souvent, mais cet argent, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce que t'en fais? Tu en remets dans les enveloppes? Non, moi cet argent de fin de mois, à moins qu'il y ait eu un trou dans mon fonds de secours,
comme le mois dernier, où j'ai pas fait de batch budgeting pour combler ce trou. D'ailleurs, j'ai réussi, je suis trop contente. Non, moi, ce qu'il y a en fin de mois, je le mets en épargne. Mais ça, c'est mon point de vue. Moi, j'épargne en début de mois et en fin de mois avec le restant. Donc, on a 23,25 euros. Super. Franchement, je suis très contente parce que je me suis dit que j'allais peut-être faire plus si j'allais chez le coiffeur. Je devais raconter mes péripéties, qui ne sont pas des péripéties d'ailleurs. Mais je me suis coupé les cheveux toute seule et j'ai pu même acheter des petits produits de beauté, donc 23 euros pour le mois. Dire qu'avant, j'avais un budget pour ça. Enfin, j'avais pas de budget justement, j'achetais, ça me faisait plaisir. Oh, il y a une promo. Non, c'est pas vrai, en fait, j'avais claqué presque 100 euros. On a changé, c'est bien, on progresse. Santé, c'était déjà clôturé. Rendez-vous chez le médecin et tout ça chez moi, vous savez. Donc, c'était déjà clôturé. C'est ce qui fait que d'ailleurs, avec la varicelle, ben, je suis allée prendre dans le divers. Parce que j'avais besoin d'acheter des choses. Un parapharmacie, on va le voir. Restaurant, ben, précisément 6,50 euros. Ben non, hein. Pas inutile en soi. J'aurais pu m'en servir un petit peu, mais voilà. Le fait est que. Rester à la maison. Mon fils, il n'avait pas un appétit, alors qu'il mange bien, mais il n'avait pas un gros appétit aussi. Donc, ça n'a pas posé problème. Les courses étaient là. Quelques restes aussi de fêtes, de choses qu'on a fait tirer un peu. 6,50 euros. Un billet de 5 encore. Trop bien. Les pièces, on va les mettre ensuite. Je les épargne pas, les pièces. Vous savez, je les mets dans ma grosse tirelire. Ça va être du remplissage pour la prochaine vidéo. Anniversaire, alors anniversaire, je m'en suis bien servie puisque, et pareil avec shopping, ben, l'anniversaire de mon fils, il me fallait des décorations. Donc voilà, tout c'était prévu, hein, sans regret. Il reste 9,22 €. J'ai acheté de la déco, du coiffeur, des petits sacs de bonbons, des choses comme ça. Donc c'est pas en termes cadeau d'anniversaire, hein, c'est pour la fête, puisque son anniversaire, avec les copains, dans un laser game, il y avait déjà les bonbons, les choses un petit peu, les gâteaux. Enfin, pas le gâteau, je le fais moi, mais les boissons, pardon. Le cadeau, il a déjà été fait aussi. Tout ça, c'était budgété bien en avance. Donc, c'est pour ça que je gardais cet argent-là en disant, attention, il va y avoir des extras. Mais j'ai bien fait en sorte de garder le billet de 5 qui était là, hein, qui m'attendait depuis 2-3 semaines, je ne sais plus. Hors de question. D'habitude, je les vire tout de suite, je les enlève tout de suite, les billets de 5. Mais là, je sais pas, j'ai un peu peur. Bien contente de ne pas l'avoir utilisé. Ça, il faut que je le sorte. Ouais, le petit A est là, ça m'encèle. Mais c'est pas mal de se dire, voilà, je m'en suis. Juste donner le bilan. Moi, je me fais un petit récap dans mon carnet budget. Et je me dis où j'en suis arrivée. Par exemple, là, sur 150, je mettrais voilà, 9,22. Mais. Chaque mois est différent, chaque période est différente. Il y a des mois qui sont pas aussi, dans le cas de l'anniversaire, il y a des mois qui sont pas aussi gonflants d'anniversaire. Shopping, j'ai clôturé avec la déco. Hein. J'ai pris de quoi finaliser un petit peu ma décoration. J'avais des choses à la maison, mais je voulais quand même finir. Prendre aussi des choses en jetable un petit peu, parce que j'ai pu trouver des plus écologiques. Loisirs et sorties. Loisirs et sorties, eh ben ça n'a pas bougé et ça. Là, c'est simplement dû à la varicelle. D'ailleurs, mon fils, il dit un truc trop mignon pour dire la varicelle. Il dit, la ravicelle. J'ai eu la ravicelle, maman. J'ai dit, ah ben oui, ça. Ah ben. La dernière fois, j'ai dit, moi, est-ce que j'ai mis ma fiche d'hiver, la neutre, ben, elle était derrière. Donc, la ravicelle, qui ne ravit pas l'enfant, qui ne ravit pas le parent, c'était assez lourd. On n'est pas sorti parce qu'en plus, il en a fait beaucoup. Mais. Énormément, mon petit clafoutis. Je l'ai gardé à la maison parce qu'en plus on ne doit pas l'exposer au soleil. Autant vous dire que dans le sud, c'est compliqué. Donc je l'ai gardé à la maison. J'ai fait plein d'activités, plein de choses. J'étais pas trop présente non plus parce que j'étais focus dessus. Il mangeait peu, il dormait peu, il y avait de la fièvre. Et les loisirs foutus. On devait aller voir. On avait deux événements, deux balades à faire où il y aurait eu des choses. Parce que là, le mois de mai, ça a regorgé de festivals, de balades. Non, pas du tout. C'est assez économique en soi, n'est-ce pas? Et pour terminer sur le chapitre de la ravicelle,
Eh bien, il a fallu que j'aille. Alors, le traitement a été fait, a été donné dès le lundi. C'est mon mari qui s'est occupé de ça. C'est pour ça que j'ai pas une partie santé préparée. C'est lui qui l'a accompagné. Puis moi, je l'ai gardé la fin de la semaine toute seule. Mais la pharmacie, on devait terminer la partie soins par une crème cicatrisante qui n'est pas remboursée. Et par des super produits de protection solaire. De toute façon, je comptais acheter des crèmes solaires. Je ne me pressais pas. Je sais qu'il ne faut pas garder les produits d'une année sur l'autre. Hein, c'est pas bon. En tout cas, je ne me pressais pas trop. Et le fait est qu'il faut qu'il ait une crème cicatrisante qui filtre aussi vers le soleil. Il faut bien le protéger parce qu'il en a vraiment partout. Et sinon, c'est des cicatrices qui vont rester. Voilà le petit épisode. Donc, je suis allée prendre dans Diver, 30 centimes, voilà, rien de fou. Écoutez, c'était un bilan, je trouve, ma foi. Déjà, qui vous dit que ça s'est pas mal fini, hein. On n'a pas fini, on n'a pas compté, mais quand même. Le fonds de secours n'a pas été mobilisé. Alors, le fonds de secours, moi, je l'utilise rarement, mais quand bien même, je vous conseille vraiment toujours d'en avoir un. Il y en a qui vont se dire, mais c'est bon, moi, je lis en virtuel. Non, il faut aussi l'avoir dans ses enveloppes, le fonds de secours. On n'est pas à l'abri. Je vous avais dit, je vais peut-être utiliser de l'argent. Il y a un pot de départ qui s'organise pour un double départ à la retraite, à mon travail. Mais j'étais pas là cette semaine. Bon, j'ai envoyé un petit message. Je sais que je peux attendre la semaine prochaine pour participer, mais j'aurais pris cet argent ou dans divers ou dans fonds de secours. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une dépense. Mais jamais, 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 jamais. On se dit, voilà, ouais, une enveloppe qui est là. Au cas où. Ou même si vraiment j'ai épuisé des épargnes essentielles. Pour moi, les épargnes essentielles, c'est alimentation ou santé. Hein. D'ailleurs, vous le savez, je joue pas avec totalement. Mais je reviens sur le fonds de secours. Si j'ai utilisé vraiment à fond l'enveloppe santé, que j'ai besoin de quelque chose d'essentiel, de médicaments, je vais dedans. Je ne pose pas de questions. Le défi 5 euros, beau bébé, déjà on avait épargné 20 euros, mais il y en a encore là-dedans des billets de 5. Et voilà, voilà. On va faire le calcul, mais on le sait d'avance, rien qu'en regardant ça. Tu sais pas mal du tout que le mois, il a été assez profitable. Allez, on calcule. Voilà. Alors, ce mois-ci, il nous reste, il y a un petit bout qui était en virtuel dans l'alimentation, mais en tout cas, tout ça, c'est épargné, ça n'a pas été utilisé. Il y a une partie en virtuel, mais très peu, et ça n'a pas été utilisé, donc de toute façon, ce sera épargné. Il y a 116,60 euros, plus, il y en a deux que j'avais déjà mis quand même en pause ici, on les voit, deux billets de 10, pardon. Deux paiements, en tout cas 10 et 10, donc 20 euros, plus 20 qui avaient déjà été épargnés. Donc ce mois-ci, quand je fais le système des enveloppes avec mon budget variable, ce que vous trouvez là, le petit bout en virtuel alimentation, et je viens de le dire, les 20 euros qui sont déjà mis au défi, je n'ai pas dépassé, bien sûr, j'ai épargné en début de mois, et en plus. À part le défi Mind Game que je fais, mais il n'apparaît pas ici. En tout cas, je n'ai pas touché à 136,60 euros. Il y a eu en bilan, bien sûr, une semaine blanche, la deuxième du mois, qui m'a quand même bien aidée. D'ailleurs, ça, c'est un bilan très positif. Je le referai, je crois, en deuxième semaine du mois de juin. Mais voilà, je suis toujours autant épatée par cette méthode. Je trouve que malgré les difficultés, surtout en semaine 3 que j'ai eues où ça allait pas du tout d'un point de vue perso, familial. D'ailleurs, ça va à peine mieux, mais bon, on avance. En tout cas, j'arrive encore à déjà de respecter mon budget, pas faire d'écart, pas faire de découvert, de choses comme ça. Mais surtout, je récupère encore de l'argent en fin de mois. Parce que ça, c'est le principe des économies. Vous avez respecté vos engagements, votre budget. Je me suis pas du tout restreint. Vous le savez, j'avais pas à part la deuxième semaine qui était une semaine blanche, je me suis pas restreint. J'ai fait la fête, j'ai reçu. J'ai pas fait des trucs dingues non plus, hein, en soi, mais j'ai pas senti la pression budgétaire sur mes épaules. Donc tout ça simplement pour motiver ceux qui débutent, ceux qui ont encore des hauts et des bas pour qui c'est difficile. Voilà. On peut encore épargner en fin de mois. Cet argent-là ira directement en épargne. D'ailleurs, on va le mettre tout de suite en épargne.
pour que vous en rendiez bien compte. Alors, on va enlever les billets 5. Je crois qu'il y en a les 4, je ne suis pas sûre. Ouais. Hein, c'était... On essayait de savoir si j'allais réussir à les mettre en fin de mois. Je vous l'annonce, dans les deux mois, ils sont là. Je vais le placer. Et les petits billets qui sont là, bah, ce sera le bonus qu'on va mettre en bas du budgeting. Les pièces, on va les mettre dans la tirelire magique. Et le bilan sera positif. J'espère que pour vous aussi, vous avez quand même réussi à épargner. Peu importe le montant, on s'en fiche. Que ce soit 1 euro, 50 euros, 200 euros. Moi, il y a, vous voyez que les fins de mois, le début de mois, forcément, je vous le présente pas parce qu'il est virtuel, mais j'ai mis aussi de côté en virtuel. Quand je suis partie en formation à Paris, j'ai pu avoir un remboursement de mes frais, je suis super contente. Et ça, c'est quand même la preuve. J'étais déjà partie en formation, mais je cherchais pas à faire des papiers, j'avais une allergie, une phobie administrative, pardon, plutôt. Et là, j'ai fait le nécessaire, j'ai fait le papier, j'ai fait les mails, j'ai fait le, j'ai eu le remboursement. Je l'ai mis en épargne. J'étais super contente. La preuve que cette méthode marche aussi, c'est tout ce qu'elle va mettre en place chez vous comme stratégie de, d'anticipation, comme préparation. Donc l'épargne ce mois-ci, c'est très très bien porté. Mon fonds de secours est à nouveau complet, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo de budgeting, je suis super contente. Il y a des mois, on va pas épargner hein, autant qu'on veut. Mais la bonne surprise, voilà, c'était ce remboursement. Alors, le dépôt, on est le 28. On va rajouter plus... Ah, si vous ne voyez pas. Plus 20 euros. Ah, ça commence à faire beaucoup, hein. Ça commence à faire pas mal. Là. Hop là, vous voyez bien, plus 20. Donc, je vais les mettre dans l'ordre. J'aime bien les mettre dans l'ordre. Donc, ça nous fait 85 euros. On va rejoindre les copains qui sont déjà là. Et j'en ai d'autres de côté dans mon autre classeur rose. Donc, je pense que là, c'est pas mal. Ça commence à être juste un peu volumineux. Et puis moi, je m'en sers pas. Il y en a qui s'en servent pour faire du remplissage. Je trouve que c'est... à chaque fois... Non, il faut pas... Je m'en étais servi l'an dernier pour les vacances. Est-ce qu'ils vont servir pour les vacances ou pour Noël? C'est toujours les deux qui m'interrogent. Je sais pas encore. En tout cas, je suis très contente. Ils vont quitter, je pense, quand on va faire le remplissage tout à l'heure. Ils vont quitter cet espace-là parce que ça fait un peu costaud. Et j'aime pas quand les enfants sont trop pleines, trop remplies. Donc ça, c'est un bilan super positif. Je continue ce défi. Je ne m'arrêterai jamais de la vie de faire ce défi, j'espère. Voilà pour ça. Ici, 110 euros. Salut. 110 euros. Allez, juste ma boîte à sous. Je sais que vous l'aimez bien. Beaucoup de gens dans le budget l'ont, hein, cette tirelire maintenant. Par contre, je sais que c'est une Jiffy, on me demande à chaque fois où, quand, comment. Moi, je l'ai acheté l'été dernier. Je sais qu'il y en a qui ont posé problème parce qu'ils les mettaient en dollars. S'ils sont en dollars, ne les prenez surtout pas. C'est une erreur. J'avancerai parce qu'au niveau du son, ça va me casser les oreilles. Et là, actuellement, on en est à combien? 119. Voilà. On continue le remplissage. Ben, c'est pas mal du tout, 125,74 € pour ces petites pièces. Les pièces de 2, il m'en reste 3. Et je vais remettre les billets ici. Les pièces de 2, ben, cette tirelire qu'on avait sur toutes mes vidéos. Tout simplement. Mais c'est vraiment fin de mois, je suis pas à la course des 2 euros, c'est pas quelque chose
Les pièces, je préfère qu'elles soient dans la grosse tirelire. Grosse tirelire que moi, j'irai échanger dans mon Leclerc, puisqu'ils nous permettent, grâce à la machine, de récupérer un bon pour les courses. J'ai demandé à ma banque physique s'ils faisaient les rouleaux, etc. Ils ne le font pas. Je n'ai pas eu vraiment la foi d'aller chercher un endroit où le faire. Donc on va faire cette solution-là. D'ailleurs, bientôt, ça va y passer, parce que là, il y a quand même assez pour des bonnes courses. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on est pas mal. Voilà, les amis. Vous verrez réapparaître la petite bannette magique pour le remplissage. Vous verrez réapparaître la petite bannette magique pour le remplissage de mes épargnes, puisque mes épargnes, elles sont et en virtuel et en physique. J'ai commencé à en retirer une partie pour ne pas avoir trop d'argent à la maison. Mais quand même, il y a quand même une base qui demeure. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce bilan, ce petit bilan vous a plu. J'essaie d'être un peu plus courte, mais je peux pas. Je pense que c'est pas mon format à moi. Je suis bavarde, donc ça va rester comme ça. Désolée. J'espère aussi que tout va bien, que même s'il y a eu des erreurs, s'il y a eu des difficultés ce mois-ci, eh ben c'est pas grave. D'accord ? On se concentre sur juin. Juin va arriver avec, écoutez, plein de choses. Je pense que d'un point de vue aussi énergie, on se sent mieux. Il y a l'été. C'est bon aussi pour l'humeur, le moral. J'espère que les vacances, vous avez commencé à y penser depuis un petit moment. Vous avez commencé à budgétiser tout ça. C'est super important. Vous avez réalisé peut-être votre propre tracker maison. Vous avez organisé le tout. Puisque là, c'est la ligne droite. On se retrouve rapidement pour une prochaine vidéo, je pense demain, de remplissage et remplissage d'épargne. J'espère que votre budget de juin est prêt. Je vous donnerai certaines indications. Je l'ai fait ce matin déjà sur Instagram avec l'éphémérie du budget pour que vous pensiez bien à tous les événements qui pourraient potentiellement vous impacter. J'espère que vous êtes prêts. Je vous souhaite un très très bon week-end. On se retrouve dès demain sur Instagram et YouTube pour le point, pour savoir ce qui nous attend en juin. D'ici là, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bonne fin de week-end.